Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour le 5ème épisode de notre Wedlock Random sur Pokémon Platine sur Nintendo DSL. Bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Charbourg après un montage d'entraînement. J'en ai profité pour aller battre les dresseurs que j'ai laissés de côté et pour explorer la ville entièrement. Comme ça on peut aller directement à l'arène sans souci, on perd pas de temps parce que l'objectif du jour c'est quand même d'avoir le badge. Mais avant toute chose, voyons un peu ce que sont devenus nos couples. Nous avons donc Xandria, notre charmillon de niveau 13, qui connaît plan Volvi, façade et qui a enfin appris un move, bitches! Bon, c'est Tornade, mais il a appris un move! C'est toujours ça de gagner. Xandria forme un couple avec Poison, notre Nosferapti, et étrangement, on va dire, avec le recul, j'ai trouvé un nom qui aurait été un peu moins bateau que Poison, mais qui n'aurait pas été original. J'aurais voulu l'appeler Venom par rapport à justement un autre groupe de métal qui serait, selon ce que certains disent, à l'origine du black metal, même si je suis pas tout à fait convaincu, simplement parce qu'ils ont un morceau qui s'appelle black metal, donc forcément, voilà. En tout cas, 107, vampirisme, ultrason, étonnement et morsure. Deuxième couple se compose d'Anthrax, niveau 13, avec écrasface, bâillement, gaz toxique et détritus. Et Trivium, notre trio piqueur de niveau 13, avec triple attaque, griffe, ampleur, qui vient remplacer jet de sable et étonnement, avec ses stats qui sont quand même bien, qui dépopent bien sa maman. Et apparemment je vois qu'il la piège et je pense que je suis en train de me souvenir d'un truc qu'il y a dans l'épisode que j'ai publié aujourd'hui. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, pour vous c'est il y a 2 jours, parce que pour moi j'enregistre ça mercredi en fait. Et en fait, je crois me souvenir en fait que le piège ne fonctionne pas sur les T-Balls, c'est pour ça que j'avais pu switcher Xandria pour envoyer sa bâtonne pour faire les dégâts, c'est pour ça. Et notre troisième couple, qui a été formé donc à l'épisode précédent, se compose dans un premier temps d'Epica, notre chapignon, niveau 13 avec Volvi, Charge, Parasport, Vampirène, et Motorhead, notre Arco, niveau 13, écrase-face, gros yeux, Volvi et vive attaque. Autant dire que s'il y a un type vol, un type insecte, un type feu, un type glace, tous les types auxquels la plante est faible, qui vient alors qu'on a ce couple dehors, autant dire qu'on est dans la merde. Mais bon, en parlant de type, on va aller identifier le type qui est à l'arène, parce que je rappelle que les arènes ont été randomisées aussi, mais que j'ai gardé le délire des types, donc une fois qu'on sait de quel type sera cette arène, on sait quel couple mettre en tête pour justement tenir le mieux possible. Salut! Comment vas-tu, futur maître? Mais je donne pas la voix de H parce que c'est hip-hop qui l'a, donc du coup, il va falloir une voix un peu plus joviale. C'est aussi ce que j'ai dit à ce garçon impatient un peu plus tôt. Le champion d'arène utilise des Pokémon de type roche, ça c'est le normal. Alors écoute, les Pokémon de roche détestent l'eau, pas vrai? Ils n'aiment pas beaucoup les capacités de type plante non plus. Que, ils en ont des faiblesses? Mais ne crois pas que ce sera facile. Quand on est champion d'arène, on sait comment compenser ses faiblesses. Attaquer un Pokémon roche avec un Pokémon feu ne serait pas non plus très intelligent. Ce sont les seuls conseils que je puisse te donner. Merci de ton attention. Alors... je m'apprends de raccourci, je prends le chemin où il y a tous les dresseurs. Alors, et tu envoies... et les câbles, c'est une arène de type électrique, apparemment. Holy shit! On a 2 types vol sur le terrain. On est dans la merde. Éclair. Allez, allez, tu peux tanker un petit peu. Oh, c'est bon. Fais-lui beaucoup de dégâts. On va voir si j'arrive à avoir des dégâts minimum. Genre s'il peut faire 18 ou 19 ce serait bien. Comme ça je peux renvoyer une attaque. Et limite me dire bon bah le prochain coup je peux tenir sans trop de problème. Gros yeux. Très bien. Ça me plaît. Bon tu dois avoir ça, tu dois avoir vive attaque probablement. Éclair. Allez Alexandria tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ça fait 20 tout pile, c'est ça qui m'embête que ça fasse 20 tout pile. Si ça variait en faisant 18 ou 19, ce serait cool. Mais 20, je prends pas de risque parce que je veux quand même les garder en vie. En plus, Xandria c'est notre starter, il a une valeur un peu plus sentimentale que les autres. Bon, on est dans un format de type Wedlock. Gros yeux. Ok, donc là je sens un modèle, je sens une sorte de pattern qui vient. Ça me convient, vraiment on devrait pouvoir le mettre KO. Balayage. Youhou! Bon, bah du coup Xandria remporte cette victoire, j'ai presque envie de dire avec la manière. Allez, plein d'XP par ici. 468, je regardais quelque chose vite, je m'excuse. Ok, je réponds juste à ce méditer. Pourquoi? Oh. Ça qui est bien, c'est quand il y a les mots qui sont enregistrés, ça prend 3 secondes pour envoyer un SMS. Voilà, ça c'est fait. Donc... on a vu que c'était une arène de type électrique, et donc Trivium va se faire plaisir, mais comme un gros enfoiré, Alors on va quand même vérifier que c'est bien une arène de type électrique. Non, normalement j'ai gardé le délire des armes, donc on va voir si c'est... Pikachu, ouais. Nous avons donc une arène de type électrique, pour commencer, au lieu d'une arène de type roche. Et ça qui est bien, c'est que ces deux types ont une faiblesse commune. Le sol! Ah c'est bien, ça me plaît. Au revoir Pikachu. Raichu, Pikachu, Raichu, jusque là tout va bien. Ah ça c'est fait. Vive attaque. Oh, il a fait vive attaque, c'est trop un ouf. Bon, on peut reset normalement. Ça me semblait. Attends, je suis curieux de voir ce que le champion va avoir comme Pokémon. Trivium se rapproche tranquillement du niveau 14. Alors, Pierrick, je lui avais donné une voix d'intello, je crois que je me souviens. Bienvenue, tu es à l'arène de Charbourg. Je suis Pierrick, le champion d'arène. Je ne suis qu'un dresseur combattant fièrement avec des Pokémon électriques. Bah oui, on a vu que c'est des Pokémon de type électrique, par contre. En tant que champion, je dois voir ton potentiel de dresseur. Et je dois aussi vérifier la force des Pokémon qui se battent à tes côtés. Et c'est parti pour notre premier combat d'arène contre Dudley, et non pas Pierrick. Qui est un biker. Et il nous envoie Watwat. In the butt, parce que Watwat in the butt. C'est parti pour une ampleur, allez. Je préférerais cette Ouvi, parce que si je pense qu'il peut la tenir. C'est bien ça. Trivium va monter niveau 14, de toute façon Trivium c'est lui qui va se faire tout le combat, puis on enverra Valtou s'il y a bien besoin. Dynavolt. Ah oui, en sachant aussi que dans le randomizer, il y a une option pour avoir des Pokémon de force assez similaire à ce que vous rencontrerez, et il me semble que j'ai dû la cocher. Il me semble que j'ai dû la cocher, c'est pour ça qu'on n'a pas des Pokémon du style... je sais pas, Elexprint, Raichu, des trucs comme ça. Enfin bref, ça n'a pas trop l'air de s'appliquer, mais bon, en tout cas... Raichu, voilà, il y a un Raichu. Niveau 15, je crois. Niveau 12. Il attaque, ça ne va pas faire trop de dégâts. Allez, ampleur 8. 10 ! Ampleur 10, bitches! C'était une annihilation de la part de Trivium. Et Trivium qui va même monter niveau 15. Avec tout ça, bah c'est du GG. Qui va prendre coup de bout. Nope. Même si c'est bien de troller avec, je pense. Quoi? Impossible! Mon meilleur Pokémon! C'est embarrassant. J'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de base. Mais c'est normal, tu avais la puissance, tu étais trop faible, c'est tout. That's what she said. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu. Voilà le badge Sarbon officiel de la Ligue Pokémon. Et nous obtenons donc notre premier badge, vous allez voir qu'il s'affiche maintenant sur le layout. En gros, pour comprendre pourquoi il y a les badges, tant qu'ils sont en gris, noir et blanc comme ça, c'est qu'on les a pas. Et quand vous les voyez s'afficher en couleur, c'est qu'on les a. Le badge de Sarbon permet à tes Pokémon d'utiliser la capacité Éclatroc en dehors du combat. Je te donne ça aussi. C'était 76 qui normalement contient piège de roc, mais... La CT-76 contient la capacité pièce de roc. Elle inflige des dégâts aux ennemis qui entrent au combat. En fait, une CT permet d'apprendre la capacité au Pokémon instantanément. Mais une CT est détruite après usage, alors choisis bien le Pokémon à qui tu vas apprendre cette capacité. Voyons ce que c'est vraiment. Je suis curieux là par contre. Téléport. Comment on dit déjà? Ouais. Téléport. Je crois qu'on va la vendre, hein. Alors maintenant je vais voir qui peut apprendre Éclatroc parce que je vais aller explorer l'autre côté de l'entrée Charbourg. Parce qu'il y a des items sympas. Alors Trivium, Anthrax, Motorhead, Epicace. Epica on va lui mettre, ça lui fera un stab combat. On va retirer Charge. C'est certes moins puissant que Charge Éclatroc, mais c'est stabé. Donc avec le stab j'ai envie de dire que ça devrait atteindre une bonne puissance. Alors quel coup on va mettre pour la suite? Alors on va mettre nos deux types plantes en tête. Ça j'avoue qu'en Wedlock, avoir un couple composé du même type, c'est très risqué. Mais bon. Comme dira l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Allez, on va passer par la cassement vite fait. et on va l'explorer un petit peu. Alors je sais pas si on arrivera jusqu'à Floraville aujourd'hui. L'idée ce serait au moins de faire la première apparition de la Team Galaxie à Félicité. Et on verra où on en est en fonction du temps. Faut pas oublier qu'on a eu un montage d'entraînement de 5 minutes. Tout de même, faut en tenir compte parce que je veux des épisodes réguliers. Et comme j'ai dit, je veux prendre mon temps, je veux profiter. Comme diraient les jeunes, parce que par rapport à la génération actuelle, je suis un petit vieux de 27 ans. Comme diraient les jeunes, je veux kiffer. Ah Babou, t'as obtenu le badge hein? Ah bah si, Vestigeon, c'est la prochaine arène avec un beau gosse quoi. Bah tu vois, je suis allé vers la route 207, mais enfin si t'as pas de vélo, tu peux pas la traverser. Pourtant je réfléchis pas, je fonce, mais je fonce pas assez vite. Bah tu vois, j'ai fait combattre mon équipe pour la renforcer, enfin moi je suis pas allé pour rien quoi. Bon vas-y, je retourne à Félicité. Prochain arrêt, le beau gosse de Vestigeon. 10 comptes avant le départ, 9. Bon de toute façon tu as le temps de compter. C'est ça, casse-toi. Allez. Donc on va partir par là-haut, parce qu'il y a toujours cette zone avec les 4 rocs. Et on peut y obtenir des objets. Et c'est ça que je veux. Allez, vas-y, Pika. Parce qu'il y a le sous-sol de l'entrée Charbourg et je veux les objets qui sont là. Alors, on voit un premier objet ici. On va accélérer le cassage de rochers. L'éclatement, la zoubida de rochers. Dans le sous-sol, Baby Manta. Ça aurait été pas mal parce que ça aurait mis un type haut dans l'équipe. C'était 09 lames de rock. Attends. Si on va juste vérifier quelque chose, mais je crois que... Anthrax peut la prendre, mais Epica peut la prendre. Oh là là. Pour le moment, je vais la garder. Je veux pas gaspiller les CT parce que comme Pierrick nous l'a rappelé, enfin Dudley si on croit le nom randomisé, les CT sont à usage unique. Si on était en 5ème génération ou ultérieure, je ne serais pas gêné pour le faire. Mais comme on est... Est-ce que j'en ai pas un repousse qui traîne? Non, j'en ai pas. Mais comme on est en 4ème génération et que les CT sont encore à usage unique, ben j'avoue que j'ai envie d'attendre et de voir si on le garde. Et si... Parce que dans ces générations... Bonjour. Tu vois les boss au sol? C'est génial de les passer à tous les avec la bicyclette. Ouais, mais moi je veux l'objet qui est là. Oh, on aurait pu avoir un tauros. Ah, ça claque un tauros. Et on trouve une poussière d'étoile, c'est bien, ça fait de l'argent. Poussière d'étoile, je sais plus si c'est 1000 il me semble. Ok. Voilà, j'ai les objets que je voulais. Bon, finalement, ça va aller assez vite. On va accélérer un petit peu cette phase, parce que c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Et on va revenir tranquillement vers Félicité. Ah, qu'est-ce qu'on a Psychoquack. Psychoquack ça aurait été pas mal pour qu'elle capture aussi, parce que j'ai jamais testé Psychoquack. Voilà. Donc on est de retour sur la route 203. Hop, on esquive bien un max de dresseurs. De toute façon, pourquoi les esquiver? Je veux dire, je les ai battus, je les ai affrontés dans le montage d'entraînement. Mais on va surtout revenir à Félicité. Ouais, t'es encore là, toi. Ah, ça y est, je vois que t'as obtenu ton propre registre, ami. Ah, comme dirait ma femme, en tant qu'agent des forces de police internationales, j'en ai un moi aussi. C'est indispensable pour échanger des Pokémon avec des dresseurs du monde entier. Rentre au terminal mondial avec ton registre ami pour faire des échanges à l'échelle internationale. Bon, on dirait qu'il n'y a aucun indice suspect à Félicité. Ainsi donc, je m'en vais poursuivre en ordre d'enquête ailleurs. C'est dit, je chercherai blablabla. Tu me saoules. Il y a un truc que je voudrais faire en ville, c'est retourner à Pokémon Trésa parce qu'ils peuvent avoir une nouvelle appli pour nous, pour la Pokémon. Alors, les roches ça se vend 100, le destin ça se vend 100, la poussière d'étoiles ça se vend 1000. Je préfère ça. Attendez, je crois que je vais vendre la CT Téléport parce que je pense qu'apprendre Téléport à un des Pokémon ne servira pas à grand chose. Voilà, ça fait 1000 Pokédollars d'embaucher. Alors, des soins balles, je veux en acheter 3, comme ça on en a 5, ça peut toujours être utile. Si jamais on doit vraiment se capturer un nouveau membre tout de suite. Des super potions, je vais en prendre 3. Et je pense que les autres trucs, on est bon. Ok, il faut juste qu'on aille voir donc le bâtiment de Pokémon Trésa. Est-ce que le bouffon est toujours devant Féli-Télé? De toute façon, Féli-Télé, je pense qu'on peut pas y aller tant qu'on n'est pas au moins level 20 ou une connerie comme ça. C'était qui? C'était toi qui développais une application, je crois. Ok. Carnet. Ça c'est pour prendre des notes je suppose. Ok, donc tu développes une nouvelle appli. Moi j'ai dit logiciel mais je m'aime bien dire application, ce que je veux dire c'est un peu un mini smartphone le truc, hein, sauf qu'il fait pas téléphone. C'est en fait, c'est si vous voulez, c'est le truc qui a dû inspirer l'Apple Watch. En fait, si ça se trouve, c'est vraiment ça en fait. Hein. Mais bon, pas le plus important. L'important c'est de partir en direction donc de Vestigeon, qui est au nord d'ici. Et vous voyez qu'on a un peu des copains qui nous attendent. Allons, allons, du calme. Je vous conseille d'obtempérer, professeur Sorbier. Confiez-nous tous les résultats de vos recherches. Gratuitement, bien sûr. Si vous refusez, votre bras droit passera un sale quart d'heure. Oh, Babou! Eh bien, comment progresse le Pokédex? Je vois que tu as obtenu le badge de Charbourg. Il me semble que c'était hier que je te donnais ton premier Pokémon. C'était lundi. Oui, parce que l'épisode 2, je l'enregistre lundi, pour vous donner une idée. Le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi. Oh, professeur, pourquoi faire tant de difficultés? Soyons sérieux, nous parlons affaires en ce moment même. Je le répète, nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences. Silence, vous autres! Qui donc m'a fichu des importuns pareils? Il vous reste quelques petites choses à apprendre. 1. On ne rôde pas de ci de là sans raison. 2. On n'interrompt pas les gens en pleine discussion. 3. On n'obtient pas ce qu'on veut en haussant le ton pour intimider les gens. Les leçons de vie par le professeur Sorbier. Revenez demain à la même heure pour une autre leçon de vie par le professeur Sorbier. Diffusé pour vous en exclusivité par Féli-Télé. 4. Le nombre ne fait pas la force. 5. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement d'abord? Burn! Cassé! Oh, comment ça m'aurait pas plu si j'avais été membre de la Team Galaxie? Attends, les poules, hein. Vous savez, les poules. Vous avez les poules dans la Team Galaxie. Ouais, vous avez les poules, les chocottes, les glandes, les crottes de nez qui pendent. Mes aïeux, ils se prennent pour des adultes. Vous les enfants, ne prenez pas exemple sur eux. Eh, hey, il a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. On va vous faire regretter d'avoir insulté la Team Galaxie. S'il vous plaît les enfants, donnez une petite leçon de savoir-vivre à ces crapules. Que Babou, que Johnny et toi on va unir nos forces. Comme à des bitches. Alors, sac de nœuds, drapi. Ah, il a un charmillon lui aussi. Alors, c'est pas le meilleur type, mais on va commencer par mettre une vampigraine sur drapi. Ouais, qu'on est quasiment au niveau, ils sont niveau 11, niveau 13. Tornade, ça c'est bien. Débarrasse-toi du sac de nœuds, tu seras gentil. Ce machin il tient pas en place, c'est un vrai sac de nœuds. Epica monte niveau 14, ça c'est bien. Frénésie. Même pas mal. Vraiment un peu de points de vie, tu seras gentil. Allez, et comme en plus de ça, je suis un connard, parasport. Sur Drabi. Salut, tant pis. Tornade. Oh, not bad. Allez, on va le finir avec un Volvi. Prends-moi le point de vie que tu m'as volé, espèce de tu m'as enlevé, espèce de vilain. Excellent. On leur a appris les bonnes manières. En plus, ça va, ils donnent pas mal d'argent. Vous ne nous laissez pas le choix. Nous allons vous guider pour l'instant. Parce que la Team Galaxie n'a que de bonnes intentions. Et ça casse-toi. Quels imbéciles! Ils se présentent comme la Team Galaxie. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon semblent libérer de l'énergie. Je pense quant à moi que c'est une puissance mystique, incontrôlable. Mais la Team Galaxie cherche à exploiter son potentiel. Il cherche à savoir si l'on peut l'utiliser comme source d'énergie. Que Babou, que tu le savais. Que le professeur, qu'il étudie aussi l'évolution des Pokémon, lui aussi. Que d'après ses recherches, que 90% des Pokémon que ils sont liés à ce phénomène. Que ça explique que ces énergumènes, ils aient cherché à s'emparer des travaux du professeur par la force. Que c'est ce que Johnny dit, que c'est scandaleux de leur part. Terminez maintenant, ne vous en faites pas. Grâce à vous, nous avons évité le pire, je vous en suis reconnaissant. Au fait, Babou, félicitations pour tes talents au combat. pourquoi n'essaies-tu pas d'obtenir tous les badges d'arène de Sinnoh? Comme ça tu rencontreras de nombreux Pokémon, ce qui signifie que les badges de ton Pokédex ne cesseront de se remplir. Ça m'aiderait beaucoup dans mes recherches. Cela dit, le Pokémon et le Pokédex que je t'ai confié t'appartiennent. Tu es libre d'en faire ce que tu veux. Prends soin de toi. Garnier. Ouh, c'était très bien. Bien joué. Vraiment excellent. Oh, je m'excuse, je travaille pour Féli-Télé. J'aimerais te donner quelque chose pour m'avoir offert ce beau combat. Un coffret mode, donc c'est pour les concours, chose que nous ne ferons pas. Dans le coffret mode, tu trouveras un large éventail d'accessoires chics et de décors élégants. Habille tes Pokémon pour améliorer leur style. Et désormais, la chaîne de Télé a mis en place des installations pour que les visiteurs habillent leurs Pokémon. Elle offre des prix, alors viens visiter notre chaîne. Et abonne-toi et laisse un like, c'est ça? Bah écoutez, en parlant de ça, je pense qu'on va s'arrêter ici. On est déjà à peu près à 25 minutes d'épisode en tout, ça me paraît plutôt bien. Du coup on va se laisser là, je vous remercie d'avoir regardé ce 5ème épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou même à parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit, tout ça vous le savez. Et donc en attendant la suite, on va voyager vers Floraville en espérant qu'on puisse au moins arriver aux éoliennes, ce serait bien, ce serait un bon objectif. En attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye.